Lady Louise Windsor a conduit une calèche dans l'arène du château Royal Windsor Horse Show au château de Windsor aujourd'hui. Lady Louise Windsor, 19 ans, a pris la conduite de calèche par son défunt grand-père, le prince Philippe, et a participé au Royal Windsor Horse Show aujourd'hui. La fille du duc et de la duchesse des Accent-Aigu-Dimbourg était magnifique dans le chapeau à 75 livres de sa mère et une écharpe à 7 livres et 99 pence des Amazon. Louise portait le Fedora bleu marine avec bracelet en cuir noir et plumes de gibier de sa mère Sophie de la marque Highfield, qui se vend pour la modique somme de 75 livres. Sophie, duchesse des Accent-Aigu-Dimbourg, portait auparavant ce chapeau lors d'une sortie en juillet 2021 lors du même événement du Royal Windsor Horse Show. La description de ce chapeau indique: vous n'avez pas besoin d'avoir une épingle à plumes pour inclure des plumes dans votre Fedora Highfield England. Nos chapeaux Fedora sur mesure avec plumes comprennent un jet de plumes frappant qui est attaché à l'intérieur de la bande 100% cuir de marque pour un look élégant et élégant. Louise a associé son chapeau bleu marine au manteau bleu marine de sa mère de Stella McCartney et était incroyablement élégante pour l'occasion. Le manteau Vivienne a été porté pour la première fois par Sophie, duchesse d'Édimbourg en 2017, mais est fermement ancré dans la garde-robe de Louise depuis 2019. La description indique: confectionné en laine mélangée bleu nuit, ce manteau Vivienne présente un ourlet légèrement évasé pour une esthétique extrêmement féminine. Il est doublé au niveau des manches pour une superposition sans couture. Louise avait également une fleur violette attachée à son manteau Stella McCartney aujourd'hui, ce qui est traditionnel.